Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 199 de On en parle. Et aujourd'hui nous allons parler du manga Pokémon, la grande aventure Diamant, Perle et Platine pour ce dernier épisode de l'année 2021. Et également l'une des dernières vidéos de l'année. Commençons tout de suite par le résumé de l'histoire. Nous allons donc suivre les aventures de Diamant, Perle et Platine. Vous l'aurez deviné, hein, ça va parler de la 4G. Et du coup, on va suivre leur périple eh bien, dans les légendes de Sinnoh, la complétion pardon, du Pokédex par Platine, cette fois-ci pas par Diamant et Perle, car eux, leur objectif, c'est simplement de devenir humoriste. Et oui, leur objectif étant de devenir humoriste, ils tentent de passer sur scène, etc., avec eh bien, les Pokémon qui auront au fur et à mesure de l'histoire. Du coup, ça se déroule sur 5 gros tomes. C'est plus long que ce qu'il y a eu auparavant avec Rouge Bleu Jaune, Argent Cristal et Ruby Saphir. Et ça se déroule donc sur 4 tomes, et l'arc Platine se déroule principalement sur le 5e, avec tout ce qui est Giratina, Pluton, les Motismas, etc., etc. Et voilà, côté positif, bah, du coup, le fait que ça se déroule sur 5 tomes, c'est bien. Ça ne rush pas l'histoire du coup sur 3 tomes, parce que ça aurait pu être le cas, et donc ils ont étalé l'histoire sur plusieurs tomes pour bien raconter l'histoire, et ça c'est beau. Et également le fait que Perle et Diamant veulent devenir humoristes, c'est j'avoue que la première fois que j'avais lu ça, c'était étonnant, mais ça en reste tout particulièrement sympathique également. Le fait que ce soit Platine qui s'occupe des badges également, donc Aurore pour ceux qui veulent avoir un visuel, j'ai trouvé ça original, et c'est pas les personnages masculins qui s'en occupent, parce que la plupart du temps c'était le cas dans les arcs d'avant. Et voilà, tout simplement. Point positif du coup, ben voilà. Point négatif, j'en ai pas forcément. Également point positif, la 4G bien sûr, 4G fanboy, bien évident. Point positif du coup, on l'a fait. Négatif également, j'en ai pas vraiment en tête. Il n'aura donc plus qu'à donner la magnifique note sur 10. Pour la dernière note de l'année, je vais me donner un 9, et bien pour l'arc Diamant Perle Platine de la grande aventure Pokémon. Également, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo d'une série entre guillemets sur la chaîne. On va se retrouver demain pour eh bien, le Poképoint de l'année. Et après, ce sera la fête à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à rejoindre le serveur Discord qui est en description. N'hésitez pas, le 31 décembre, on va faire pendant toute la journée plusieurs animations, que ce soit sur des jeux ou d'autres choses du genre, des animations, des jeux, du blabla également. Donc ce sera sympathique si vous pouvez venir. On se retrouve donc du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le Pokémon 5 et je vais vous dire enjoy.